Hey les amis, c'est Marjo, Marjo Diamantanti, et je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 7 avril, si je ne me trompe pas, et j'ai reçu donc ce colis qui est la continuité de la comparaison des différents vendeurs AliExpress. Donc je vais ouvrir le colis, puis après je vous montrerai un peu. J'ai l'ordinateur qui est allumé, on pourra regarder un peu sur l'ordinateur dont il s'agit. Ah là, j'ai les deux toiles en même temps, c'était les deux dernières toiles pardon, de cette comparaison là. Donc elles sont bien arrivées en combiné, celle-ci. Donc là c'est bon, je vais mettre ça sur le côté. Alors, voilà. Désolée pour vos oreilles. Oh, non, c'est pas deux toiles, c'est une toile, mais j'ai pris les diamants pour une toile, n'importe quoi. Donc c'est bien une toile. Alors ici, je vais vous montrer l'image. Vous voyez, ici on a donc le toolkit de base avec plaquettes mieux que les vertes, déjà sur deux stylets pailletés. Vous voyez, ils sont pailletés. On le voit peut-être pas très bien à la caméra, au téléphone, pardon. Donc la marquette, le pain de colle, de cire. Voilà. Ici, plusieurs multiplaceurs. Vous voyez. Plusieurs multiplaceurs. Ici, un autre. Voilà. Là, nous avons des sachets zippés, plusieurs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16. Voilà. Presque une vingtaine quoi, de petits sachets. Nous avons la feuille de route. Et vous allez voir l'image. Oh, hop! L'image ici du DP, c'est une fleur, voilà, des lisse, je crois, hein, oui. Vous allez trouver magnifique cette image. Alors, il y a 24 couleurs. Il va me falloir vérifier tout ça. Je vais avoir du boulot à vérifier toutes les toiles que j'ai prises sur AliExpress. On a tous les sachets ici. C'est un diamant carré. On a la référence sur le sachet, 254. Voilà. Ben voilà, si je me déporte. Ça va pas le faire. Du noir, voilà. Beaucoup de rouge, du 321, du 666. Je regarde, franchement, les diamants ont l'air nickel. On verra ce que ça donne à la pose. 524. Du
jaune orangé. Vous avez les différents tons de vert aussi, du 732. 371 du kaki, du 3770, magnifique, ils sont magnifiques les diamants, je les passe vite, hein, voilà, donc, oh, magnifique, celui-là on dirait une couleur fluo, le 907, un vert fluo là, c'est magnifique, hein. Alors, hop, je tiens comme ça. Alors, j'aime pas, toujours pareil, du scotch sur la toile. Voilà, je vais la dérouler. C'est normalement une 30 par 40. J'ai essayé de rester sur la même dimension. J'ai essayé de prendre des images quand même potables. Vous voyez, elle est arrivée à enrouler autour de ce tube-là. Avec ce film opaque que j'aime pas trop. Je pense acheter du papier transparent. Pour remplacer ce papier-là. Oh, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils ont mis une bande de scotch tout en haut. Et maintenant, pour l'enlever, Tintin. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Vous voyez, hein, j'ai du scotch tout en haut. Alors, je vous dirai le nom du fournisseur quand je vous prendrai avec moi sur l'ordinateur. Parce que là, je ne l'ai plus en tête. Oh là là. Ah, c'est la super bonne idée, dis donc. Voilà, je jetterai tout ça tout à l'heure. Hein. Alors, il y a une reprise de la DMC sur le côté. Dommage qu'on ne l'ait pas aussi en bas. C'est quand même assez utile, mais bon. Alors, je vais essayer d'ouvrir, voir s'il n'y a pas de rivière. Mais j'ai un doute vu l'état. Maman. Et voilà, c'est bien ce... Je m'en doutais en voyant l'état de la toile. C'est pas bien méchant. C'est pas bien méchant. Il me faudra juste les percer un peu. Alors, on va éviter en remettant le papier d'en recréer d'autres. Je vais l'ouvrir ici. Enfin, ouvrir ici. Soulever les bords. Sainte-Marie. Voilà. Je comprends pourquoi ils avaient mis du scotch, peut-être que... Oh là là. Vous les voyez, les rivières? Je ne sais pas si vous allez les voir. Je vais vous montrer. Attendez, je vais replacer le papier. Et je vais plier la toile à l'envers. Pour essayer de lui redonner forme. J'espère ne pas créer de rivière. Voilà. Voilà. Alors, on va la filer là. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. L'image est jolie, hein. Mais vous avez quelques rivières. Alors, la toile, ben, ça colle. Mais les symboles sont visibles.
Je pense que ça devrait aller. Par contre, oui, voilà. Vous voyez là, à ce niveau-là, ouais, même pas. Enfin, oh non, franchement, niveau rivière, je pensais que c'était gros, mais franchement, j'ai eu beaucoup plus pire. Hein. Non, franchement, c'est même pas des rivières, quoi. C'est le papier, à mon avis, qui a donné cette forme-là, des fois, de petites lignes, mais c'est rien. C'est rien, c'est rien. Franchement, non. Non, non, non. Je vous cache rien. Non, vraiment, je pensais que c'était des grosses rivières, mais non. Non, non, il n'y a rien. Je suis contente. Alors, j'essaierai de me commander un papier pour mettre sur la toile. Il faudra. Caro, je ne sais pas si tu passeras sur ma chaîne. Il faudrait que je te demande où est-ce que tu as commandé le papier que tu mets transparent sur ouais, les diamants qui tombent. Magnifique. Où est-ce que tu as commandé ton papier à mettre sur la toile? Je sais que c'est sur AliExpress, mais je ne me souviens plus exactement du lien. Si les autres filles youtubeuses, vous avez aussi des liens à me proposer, n'hésitez pas. Hein. Donc, j'espère que cette toile vous aura plu. J'espère que vous me mettrez un petit pouce bleu. Et je vais vous montrer alors le site. Je vous prends avec moi en espérant ne pas faire tomber. Voilà, comme ça je vous montre la poussière qu'il y a sur mon plateau. Bon, ordinateur. Alors là, on va essayer de lever. Voilà. Alors, je ne pense pas que ce soit celle-là. Mes commandes, donc vous allez voir mes commandes. Donc celle-ci vient de chez Artcraft Store. Alors, Artcraft Painting Store, pardon. Et je l'avais payée 9,85 €. Elle était au prix de 9,85 €. Et j'ai eu un petit coupon qui m'a donné 92 centimes de réduction sur la toile. Bon, je trouve. Bon, ça fait peut-être un peu cher, mais je sais pas. Je pense que c'est une vraie 30 par 40. Elle est vraiment. Voilà. Elle est magnifique. Hein. Après, peut-être que si ça les vaut, hein, donc on verra bien. Alors, Artcraft, je vais retourner ici. Vous voyez, oui, voilà. Chenille Story, broderie de fleurs en diamant pour adultes. Hop, je vais aller dessus. Voilà, en 30 par 40, full square, je me trompais. Maintenant, elle est à, à 10,31 €. Ben écoutez, elle était à 20,63 €, vous voyez, il y a 50 € de réduction, 50% par 50 €. 50% de réduction dessus. Bon, elle est un peu plus chère que moi quand je l'ai prise. Pourquoi? J'en sais rien. C'est comme ça. Vous voyez, il y a toujours les 14 centimes de réduction. Ben écoutez, moi je suis contente de l'avoir payé 9 € et quelques, hein, tant mieux. Il va donc maintenant me manquer une toile. Je trouve que ce vendeur a l'air plutôt pas mal. En allant voir un peu dans tout ce qu'il a, il a l'air d'avoir des images pas trop mal. Après, est-ce que tout. Enfin, j'ose pas trop vous montrer parce que s'il y a des fois des images volées ou je sais pas, j'ai un peu peur. Voilà, on va voilà, beaucoup de diamants peinture. Voyez, hein, c'est pas mal. Alors, les diamants, hein, quoi ils sont? Je ne sais pas quelle matière. Ça ne va pas être de la haute, haute qualité non plus. Hop là, hop, 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 on passe vite. Hein.
Voyez, vous avez les articles en promo. Voilà. Plein de choses pas trop mal avec 50% de promo sur certains produits. Vous avez les nouveautés. Et vu que je fais ça pour eux, je pourrais le faire aussi pour les autres fournisseurs que je vous ai montrés. Il y a plein de toiles pas mal, voilà. Plouk. Je me fais avoir en vous montrant des images. Donc, la petite Gorgia, si vous vous rappelez, chez Iba Studio Store. Voilà, vous avez un peu tout ce qu'il vend. Vous voyez. Il y a même des accessoires... des couronnes, des sapins, voilà. De choses pas trop mal. Des marque-pages, etc. Ensuite, on avait vu Diamond Painting Official Store. C'est pas mal. Je trouve la toile bien et ils ont pas mal de choses super. Tout ce qui est fleurs, paysages, etc. Bon, je fais attention quand même parce que voilà, vous irez voir par vous-même. Et ensuite, il nous manquait Sagli Diamond Painting Store. Pareil, voilà, c'est un peu les mêmes choses qu'on retrouve un peu partout. À différents prix, donc c'est à vous de voir. Je vais essayer de recommander encore 5 toiles de 5 vendeurs différents. Est-ce que je pense que je continuerai dans les 30-40. Voilà, c'est un prix assez abordable. J'essaierai d'aller vers des vendeurs de DP chez qui on ne va pas trop, on sait, parce qu'on ne connaît pas ou qu'on ne sait pas et qu'on a peur. Donc, je vais voir. Voilà. Ben, écoutez, les amis. Hop. Je vous laisse. Je vous dis, à très bientôt. Oula. Je vous fais de gros bisous. Pour ceux qui passent sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez-moi vos commentaires. Je vous répondrai avec grand plaisir. Gros bisous, les amis. Ciao, ciao. Et si j'ai omis quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Moi, je prends. Hein. On me dit des fois quelques trucs et je trouve que la critique est constructive. Donc, n'hésitez pas à me dire quoi que ce soit. Parce que moi, je suis tête en l'air. J'oublie plein de choses. Des fois, c'est incroyable. C'est peut-être ma maladie. L'épilepsie aussi qui fait ça. Donc, je sais pas. Il faut bien renvoyer la photo sur quelqu'un ou quelque chose. Donc, voilà. Mais écoutez, les amis, gros bisous et à très bientôt pour... le dernier unboxing de la dernière toile d'un des fournisseurs. Je pense qu'elle devrait arriver certainement demain ou après-demain parce que ça a été un peu plus long que les autres quand même. Voilà. Je trouve ça dommage que ça a été commandé en même temps et certains mettent plus de temps à réagir que d'autres. Voilà, c'est dommage. Allez, les amis, ciao, ciao!